Et salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est un point lecture. Les livres que je vais vous présenter aujourd'hui, pour la plupart, je les ai lus il y a un petit moment parce que j'ai eu à faire face à une petite panne de lecture, on va dire. Du coup, ça fait qu'ils ont un certain temps déjà à arranger le fait que pour certains, pour un en particulier, je ne me souviens plus trop de l'histoire, mais je me souviens du sentiment global qui m'en est sorti, et je m'en souviens que sur le coup j'avais voulu vous en parler, et que voilà, donc je vous en parle aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais vous présenter donc La Mémoire de Babel, c'est le tome 3 de La Passe Miroir de Christelle Dabo, publié aux éditions Gallimard. Ensuite, je vais vous présenter Si je reste, donc de Gail Forman, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Après, je vais vous présenter Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, publié chez Pocket. Et en dernier, je vais vous présenter donc Percy Jackson et les héros grecs, non, et les dieux grecs, désolé, donc de Rick Riordan, publié chez le livre de poche Jeunesse. Tout d'abord, je commence donc avec La Mémoire de Babel de Christelle Dabo. Donc c'est le tome 3 de La Passe Miroir, donc je ne vais pas vous spoiler les autres tomes, mais en fait, La Passe Miroir, c'est l'histoire d'Ophélie qui vient de la cité en quelque sorte, d'Anima, et c'est une liseuse. C'est-à-dire qu'en touchant un objet, elle peut voir la vie des gens qui ont eu cet objet, qui ont tenu l'objet entre ses mains. Voilà, et ses tantes surtout veulent la marier, et elle à chaque fois refuse. Et là, elle arrive au point où elle ne peut pas refuser. Et le monde, il est découpé en plusieurs îles, et sur chaque île, donc, il y a un genre de dieu qui régit l'île, et elle va se retrouver mariée à Thorn, bref, qui vient, c'est la Citaciel, mais je sais pas si c'est le nom en entier ou pas, bref, je m'en souviens plus, mais qui vient de l'île où il fait le plus froid, et cet homme est vraiment très froid, très il a un côté assez bestial, et il est pas accueillant, c'est pas une personne qu'on va aimer de suite, voilà. Et elle va se retrouver avec lui, et elle va découvrir que dans cette Citaciel, il y a beaucoup de trucs qui sont cachés, des petites vérités, il y a beaucoup d'illusionnistes. Et donc elle va mener des enquêtes comme ça, et là on en est au tome 3. Aïe! Voilà. Je savais que le tome 3 allait arriver à un moment donné. Dès qu'il est sorti, je me le suis acheté. Bulldog m'avait dit que c'était une lecture pour l'été, je l'ai lu cet été. Il est génial. Génial, voilà, je me languis la suite, évidemment, mais il est tellement bien, cette saga est géniale, je sais pas quoi dire de plus, les personnages sont vraiment attachants, je veux dire, au fur et à mesure, on s'attache vraiment à tous les personnages, et c'est quelque chose que j'adore, parce qu'on s'attache autant aux pas trop gentils qu'aux gentils, et là, on découvre plein de choses sur Dieu, voilà. Je vous en dis pas plus, et vraiment j'ai adoré, je vous recommande cette saga mais mille fois. Je vois pas quoi, je sais pas trop quoi dire de plus. Alors après cet été j'ai lu Si je reste, donc de Gail Forman. Ce livre, j'en ai entendu parler, mais parler. Ce film aussi, mais le film je ne l'ai jamais vu. J'ai toujours pas vu, hein. C'est d'ailleurs la couverture du film, mais j'ai toujours pas vu le film. Bref, mais le livre, en tout cas, j'en avais entendu parler, et je voulais absolument le lire. En fait, c'est l'histoire de Mia, qui a une vie qu'on peut dire très bien, parfaite. Elle a un petit copain, elle a sa famille en entier et tout. Et en fait, ils vont avoir un accident, et on va être dans la tête de Mia qui est entre le stade de mort et de vie. Et en fait, tout le long de l'histoire, elle va peser les pour et les contre pour le fait qu'elle meure ou au contraire qu'elle vive. Parce que dans l'accident, il y avait toute sa famille. Et donc, on sait dès le début que ses parents sont morts. Son petit frère, nous ne savons pas. Mais en tout cas, il doit pas être en très bon état, même s'il est toujours en vie. De l'autre côté, il y a son copain. Et il y a les choses qu'elle aime faire, et donc on va redécouvrir toute sa vie à partir du moment où elle est dans le coma. Et ce livre, il est horrible parce que la question qu'on se pose, c'est: et moi, si j'étais à sa place, qu'est-ce que je ferais? Et à chaque fois, je me dis, quand j'ai lu pendant toute la lecture, je faisais oui, mais non, mais quand même, pour l'honneur de, pour la mémoire de ses parents et tout, elle devrait revenir à la vie. Et en même temps, je me disais, c'est horrible, tu sais que tu reviens, mais tu sais qu'il n'y a plus personne, quoi. Tes parents, ils sont plus là, ta famille, elle a été décimée, il n'y a plus personne.
et c'est horrible. Voilà. Du coup, ce livre, je l'ai bien aimé, mais sincèrement, je peux pas vous dire la fin. Je me souviens plus du tout si elle a décidé de vivre ou de mourir. Ce qui est assez problématique, vu comme c'est pendant tout le livre, on diverge sur ça, et je m'en souviens plus. Ce qui est bizarre. Voilà, je peux pas vous en dire plus du coup, mais je sais que ça m'avait beaucoup plu et que tout le long ça m'a assez remué et je pense que ça peut plaire. Mais alors, après, je vous présente rapidement donc le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux. On est dans une histoire où en fait, par hasard, en fait, il y a un homme qui doit être marié à une femme et cette femme, vu comme elle ne sait pas si c'est un bon homme ou pas, va dire à sa servante de se faire passer pour elle, sauf que lui va dire pareil à son servant. Donc, ils vont se retrouver eux à faire le rôle des servants, mais ils vont se connaître et les servants, voilà. Bref, et du coup, c'est pour ça qu'on appelle ça le jeu de l'amour et du hasard. Je l'ai lu pour le cours de français. Vous vous doutez bien, c'est pas un truc qu'on va lire comme ça. Waouh, c'est le kiff. J'ai bien aimé quand même parce que c'était plein de quiproquos du coup. Et je kiffe les quiproquos, je trouve ça trop drôle. Et du coup, voilà, j'ai bien aimé. C'est un livre pour le cours de français, je sais pas trop quoi vous en dire, mais voilà, j'ai bien aimé. Et c'est assez drôle et pour une lecture classique c'est assez léger et c'est facile à lire du coup si vous voulez lire un classique je vous recommande quand même celui-ci. Percy Jackson et les dieux grecs. Vous savez comme je suis une fan inconditionnelle de Percy, c'est vraiment un univers que j'adore, des personnages. Voilà, je sais même pas quoi dire sur Percy, je les aime tellement. Et donc nous avons là Percy Jackson et les dieux grecs qui est un livre en plus. Et en fait, il nous raconte l'histoire de chaque dieu. Ce livre, j'ai mis un moment à le lire, je dois le dire, parce que ben, lire toutes les histoires des dieux d'un coup, c'est pas le truc le plus intéressant au monde, on doit le dire. Surtout que je les connaissais déjà. Mais le truc qui est bien, c'est qu'il y a tellement de versions des histoires des dieux qu'il y en a certains, et ben, je les connaissais pas, j'avais pas cette version. Du coup, c'était trop cool, surtout qu'il y avait l'humour de Percy. Par exemple, voilà, le Déméter, moi, c'est une déesse que j'adore, que j'avais joué quand au collège on avait fait les dieux et les déesses grecques. Et par exemple, sur son truc, déjà, le titre c'est Déméter, Serial Killeuse. Et donc, il y a écrit Déméter, la déesse des croissants et des cornflakes. Attention, j'en vois qui bâillent au fond de la classe. Vous avez tort, Déméter et les glucides, c'est une histoire pleine de drames et de passion. Genre, plein de fois, il y avait des petites blagues comme ça. Vous savez que j'adore l'univers de Percy Jackson. Rien que pour ça, il va falloir que je me lance dans les travaux d'Apollon. Petit souci, c'est que j'ai appris qu'il n'y avait pas Percy dans les travaux d'Apollon. Alors que quand même dans les héros de l'Olympe, il est là, à part dans le premier tome, mais sinon. Il est là, non, même s'il est pas là dans le premier tome, il est là quand même. Tu sens Percy et tout. Et là, les travaux d'Apollon, je me demande qui va être là en fait. Vu que Percy n'est pas là, je crois que Nico et Will seront là. Mais après, j'ai peur, j'ai vraiment peur que les personnages que j'aime tant me manquent. Alors après, c'est débile parce que je me suis très bien adaptée aux héros de l'Olympe. Pourquoi je m'adapterais pas aux travaux d'Apollon? Je sais, c'est débile. En plus, j'ai changé totalement de sujet. J'étais en train de parler de ça et je change de sujet. C'est bien, Brenda. Mais bref, mais il faut que je me lance dans la saga. Et en plus, les livres, ils sont en grand format. Et j'ai les Percy Jackson en grand format. J'ai les héros de l'Olympe en petit format. Et je dois dire, il va sûrement en écrire 5 parce qu'il écrit toujours par 5, Rick Jordan. Et il me faudra donc un certain budget, on va dire. Donc j'attends un peu la sortie poche. Alors après, on continue dans nos petites citations de Percy Jackson. Par exemple, une note qui m'a fait bien rire, c'est « En tant que dieu marin, il était bien placé pour repérer les jolies filles sur la plage. » Voilà, parce que c'est plein d'humour et c'est tellement cool. J'adore. Ah oui, ça me fait trop rire parce que j'adore regarder sur Facebook ou quoi. Je sais pas si vous voyez des fois, genre, phrases pour draguer, clichés ou quoi. Et genre, à chaque fois, je me tape des fous rires dessus. Et là, je suis tombée sur Salut beauté, attaqua-t-il avec un sourire niais. Tes parents auraient dû t'appeler Tempête parce que quand je te vois, je tombe à la renverse. J'étais morte de rire. Je veux dire, c'est quoi ça? Ça? Ben, c'est Poséidon. Pour expliquer le fait que quand ils arrivent, ils soient jugés par les dieux des enfers et tout, ils ont mis ça, c'est qu'est-ce que tu proposes? Eh bien, on pourrait garder le principe d'un jury, mais le public voterait et à la fin de la saison, le candidat ayant recueilli le plus de voix serait désigné vainqueur de la Tartare Academy.
Pas vraiment. La nouveauté, c'est qu'en arrivant aux enfers, les morts seraient jugés par d'autres défunts et non par des vivants. Il n'y aurait pas de concours alors? Dommage. Voilà, c'était juste que des trucs comme ça dans ce livre. Donc, je vous le conseille, et je vous le conseille même si vous n'aimez pas Percy. Je vous le conseille pour tout ce qu'on appelle, tout ce qui est en rapport avec la mythologie, tout simplement. Quoi s'embêter, tout ce qui a en rapport avec la mythologie grecque, les dieux grecs, si vous voulez en apprendre plus, c'est un très bon livre que je vous conseille énormément, vu comme il y a tous les dieux, même Hestia qui n'est pas très connue, il y a tout le monde. Voilà, j'ai fini ce petit point lecture, j'espère que ça vous a plu, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, ciao!